c'est la semaine de la vaccination et près de 300 actions ont lieu dans la région pour sensibiliser le public. Pour certaines maladies, la couverture vaccinale n'est pas suffisante pour écarter tout risque d'épidémie. L'an dernier, par exemple, 1000 cas de rougeole se sont déclarés en Nouvelle-Aquitaine, une maladie particulièrement contagieuse et pour laquelle il n'existe pas de traitement. Objectif de cette semaine, lutter contre les préjugés et tenter de faire remonter la couverture vaccinale. Les questions les plus récurrentes, on va retrouver l'autisme et la rougeole. Est-ce que le vaccin contre la rougeole va donner l'autisme? Est-ce que le vaccin contre l'hépatite B va donner la sclérose en plaques? Tout ça, ce sont des préjugés qui sont faux. Et c'est pour ça que nous luttons, nous donnons des informations concrètes à l'ensemble de la population pour que les gens aillent se faire vacciner. Et on voit bien, je vous le dis, l'année dernière, nous avons eu cette épidémie de rougeole. Je rappelle que les taux de couverture vaccinale ne sont pas encore suffisantes pour éviter le retour d'une nouvelle épidémie. Et c'est pour ça que nous incitons l'ensemble de la population à vérifier justement ces vaccinations. Il faudrait que 95% de la population soit vaccinée justement pour éviter le retour de l'épidémie. Là, on a augmenté sur notre région, on est à plus de 80%. Donc on a encore de la marge, il faut continuer à se mobiliser. Après la défaite face à Nîmes la semaine dernière, Bordeaux reçoit Lyon ce vendredi. Le troisième du classement de la Ligue 1 vient chercher les Marinés blancs 14e sur leur terre. Une rencontre difficile qui devrait pousser les Bordelais à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est un match de gala à domicile chez nous. On espère qu'il y aura beaucoup de monde et je pense qu'il y a tout pour faire un gros match. Je pense que dans les rencontres qu'on a pu jouer contre les top équipes, je pense qu'on a toujours su répondre présent. On a plutôt fait des bons résultats, donc j'espère que ça va continuer. Ils ont vraiment des joueurs talentueux et c'est une équipe qui joue vraiment bien, qui est bien au ballon. Après, ils ont des failles qu'il faudra exploiter, je pense, défensivement. Le quatrième joueur du match exhibition de Primrose a été dévoilé. Julien Beneteau prendra part à ce moment attendu du tournoi de tennis le 1er mai, aux côtés de Nicolas Mahut, Mickaël Yodra et Fabrice Santoro. Le tournoi Primrose à suivre toute la semaine prochaine sur TV7. Cette semaine, on vous propose sur TV7 de visiter Bordeaux et ses alentours de manière ludique ou insolite. Aujourd'hui, Thomas Gonsalves nous emmène à bord d'un authentique taxi londonien pour une balade au château du Taillant. Et non, vous n'êtes pas à Londres, mais bien en terre bordelaise. Antoine Beuchet et sa société Winecab proposent depuis 3 saisons de découvrir les vignobles bordelais à bord du fameux taxi noir. Une idée qu'il a trouvée à la capitale. On cherchait une activité, ou plutôt un moyen original d'aller visiter les châteaux du Bordelais. Et puis je trouvais que l'offre existante était un peu traditionnelle. Et un jour, à Paris, c'est en roulant à côté d'un taxi anglais que m'est venue l'idée de faire ce type d'activité œnotouristique avec le taxi londonien. Et donc là, on va faire une dégustation, c'est ça? Et là, voilà, il y a une première partie qui est dédiée à la visite des installations techniques et du chai. Des visites, des dégustations et des ateliers autour de la fabrication du vin, le tout dans un taxi anglais qui a gardé son costume d'origine. Une authenticité appréciée. Ouais, c'est génial, on est bien installé, on se sent bien, on a un petit bar pour faire la dégustation. C'est convivial, c'est fun, ça change vraiment. Le top du top. Une visite et un service unique, mais qui a un coût. Il faut compter 132 € par personne pour un voyage de 4 heures au cœur des vignobles bordelais. S'il vous plaît, prenez la cloche. Un petit coup. Pour la propriétaire du château du Taillant, il faut savoir se mettre au niveau du taxi londonien. Visiter en taxi anglais, c'est pour eux, ils sont très enthousiastes, bien sûr, quand ils arrivent. Donc après, on les reçoit, on a une visite adaptée pour eux, privative. Hein, ils ne sont pas mélangés aux autres, donc c'est tout un concept en fait, hein, cette visite Wildcap. Antoine possède un autre taxi londonien et a lancé une campagne de financement participatif pour en acheter un troisième. Une aventure donc loin d'être finie. <t'->
La billetterie pour la fête du fleuve est ouverte. Si les visiteurs pourront se balader le long du fleuve en accès libre et gratuit, les visites des voiliers ou encore les dégustations de la fête des vins blancs et le banquet, la table du paysage, seront payants. La fête du fleuve se tiendra cette année du 20 au 23 juin sur les quais de Bordeaux. Et attention, sur la route, le pont d'Aquitaine est fermé pendant 3 nuits pour cause de travaux d'entretien. Cette nuit, la rocade extérieure sera fermée entre les échangeurs 4 et 5 en concomitance avec la fermeture du pont. Des déviations sont bien sûr prévues. Jiffy débarque dans le centre-ville bordelais. Le magasin de meubles et de décorations à petit prix remplace l'emblématique Tati du cours Victor Hugo qui avait été victime d'un incendie puis rouvert il y a un peu plus d'un an. Philippe Ginestet, le patron de Jiffy, avait annoncé le rachat des magasins Tati en 2017. Votre émission Découverte vous emmène ce soir dans le bassin de Marennes-Oléron en Charente-Maritime. Situé au bord de l'estuaire de la Seudre, le village de Mornac est considéré comme l'un des plus beaux de France. Rencontre avec Frédéric, le capitaine de l'Aigrette 2, qui propose des balades commentées sur la Seudre. Ici, on fait du tourisme raisonné à taille humaine. Il y a un équilibre. Il faut un équilibre là-dedans. Bien sûr que, on va dire, pour les affaires, que ce soit plus connu, ça sera mieux. Mais on ne veut pas non plus en faire, je ne pense pas que l'intérêt d'ici, et je ne pense pas non plus que les volontés, parce que c'est toujours derrière des volontés politiques que se font les choses, soit de faire ici une marina ou de faire quelque chose de ultra touristique avec une complexité navigable. De toute façon, c'est difficile. Oui, ça mérite d'être connu pour l'histoire, mais ça pourra jamais être, on ne pense pas que ça pourrait être surchargé parce que la zone de navigation ici est très compliquée. Il ne faut pas oublier que quand même, c'est un endroit où ça se met à sec. Et les hauteurs d'eau ici sont totalement variables. On n'abîme pas les bateaux, mais on s'échoue très rapidement quand on sort des sentiers battus, on va dire.